Il s'appelait Valentin, il avait 18 ans, il était pêcheur et il avait une vanne pour pêcher des bichis. Il vivait dans une case en tôle au bout d'un petit chemin fabriqué avec des roches volcaniques. Les murs de la cave étaient en feuilles de palmiers séchées. Valentin avait posé de la paille de canne séchée à l'entrée pour avoir de l'eau. Près de la cheminée, à l'intérieur, Valentin avait une calebasse à sel et une calebasse à mer. Sa table en forme de tamarin reposait sur des tréteaux et autour se trouvaient des petits tabourets, eux aussi en bois de tamarin. Valentin avait un petit chien qui s'appelait Tiblou. Couchez Tiblou! Valentin était un pauvre pêcheur. Il voulait devenir riche, mais il ne savait pas comment faire. Il pouvait compter sur son frère Sébastien. Et Sébastien pouvait compter sur son copain Michael. Il fait beau. Ouais. Ils n'ont pas envie d'aller travailler. Des roues, viens chez. La passe, dis ça va le kilo. Michi la montée. Viens chez. Des roues le kilo. Ça m'en veut pas. Un matin, Valentin, Michi la montée. Des roues le kilo. Viens chez. Le port était rempli de pêcheurs, de poissonniers et aussi de clients. Les pêcheurs préparaient la filet de pêche et les bateaux pour la prochaine journée en mer. Bichic, la montée, 2 euros le kilo. Après avoir préparé ses filets, Valentin partit se détendre sur la plage. Un vieux monsieur vient vers lui et commença à lui parler. Bonjour, ça va? Oui, et vous? Ça va bien, merci. Toi aussi, tu es pêcheur? Oui, je suis pêcheur, mais c'est difficile. J'ai une proposition à te faire. Je te donne un filet de pêche magique pour pêcher beaucoup, beaucoup plus de poissons. Mais ne le dis à personne. C'est vrai? Tu peux avoir ce filet? Oui, mais il y a une condition. Tu dois faire une livraison pour moi avant le lever du soleil. Si tu réussis, alors demain à la même heure, ici même, je te donnerai mon filet magique. D'accord. Tu dois livrer 9 colis de poissons chacune paire. 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos. 6 kilos, 9 kilos, avec 3 barques, chaque barque contenant le même nombre de colis et le même poids. Devra atteindre une qualité différente. Bien fait, renvoie, ici un peu. Ah oui, le colis est plus lourd. Et le plus léger ne doit pas être sur la même barque car ça risque de la déséquilibrer. C'est de la terre coulée. Je vais réfléchir. À demain. Valentin décida aussitôt d'aller demander de l'aide à son frère et à camarade pour l'aider à préparer les colis et résoudre son problème. Sur le chemin, Valentin se rappela les paroles du vieil homme. Tu dois livrer 9 colis de poissons. Chacune pèse 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg et 9 kg. Avec 3 barques, chaque barque contenant le même nombre de colis et le même poids devra atteindre une quantité différente. Yes, grand bois. Et puis à fond. Ah oui! Le colis le plus lourd et le colis le plus léger ne doivent pas être sur la même barre, car ça risque de la déséquilibrer et de la faire couler. Chez Sébastien, le frère de Valentin. Bonjour Sébastien, tu aurais une barque à me prêter? Bien sûr, elle est attachée au bord de la rivière d'abord, tu peux la prendre si tu veux. Merci. Tu pourrais aussi m'aider à chercher une barque chez Mekai, je dois répartir 9 colis de poissons dans 3 barques. D'accord, tu peux faire ça pour moi? D'accord. Merci, tu me sauves la vie.
Puis ils allèrent chez leur camarade Michael. Là, tout le monde. Bonjour Michael, tu n'as même pas qu'à me prêter, me donner un coup de main. Bien sûr camarade, que fais-tu faire? Valentin expliqua le problème à son frère et son camarade. Il y a un vieux monsieur qui m'a proposé de... Michael, le plus intelligent de tous, lui donna une idée. Pour répartir 9 colis dans 3 barques, il faut diviser 9 par 3 pour que les 3 barques aient le même nombre de colis. Bien sûr! Donc, chaque barque aura 3 colis. Alors, ils allaient pêcher du poisson. Et ils ont ramené 52 kilos. Et préparèrent les 9 colis de poisson en faisant bien attention à respecter les poids de chacun. Puis ils commencèrent à partager les colis en 3 tas de 3. Hey, mais c'est pas si simple. Chaque barque doit porter le même poids. Sébastien et Michael étaient toujours en train de réfléchir pour répartir les colis sur chaque barque. Comment ça fait ça là maintenant? Tu devrais te reposer, il est tard. Je rentre chez moi avec Sébastien. Non, pas question. Non, pas question, je ne partirai pas tant que je n'aurai pas trouvé le problème. Quelques instants plus tard, la nuit était tombée sur le pont. Soudain, Valentin vit une jeune fille se diriger vers lui. Bonsoir, c'est toi Valentin? Oui, et toi, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Amélia. On m'a dit que tu avais un problème à résoudre. J'aurais bien été, mais cela doit rester entre nous. Promis, et merci de vouloir m'aider. Je dois trouver comment répartir 9 colis et chaque barre doit porter le même poids. Et Valentin lui expliqua le problème. Il lui dit qu'il avait compris qu'il fallait mettre 3 colis dans chaque barque, mais qu'il ne savait toujours pas lequel. La question qu'on doit se poser, c'est quel poids doit-on mettre sur chaque barque? Attends Amélia, on doit d'abord calculer le poids total. 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, ça fait 45 kg. 45 divisé par 3, ça fait 15, donc sur chaque barque, il y aura 15 kg de poisson. 15 kg, mais pourquoi est-ce que j'ai pas pensé? Merci Amélia, merci beaucoup. Michael et Sébastien étaient revenus aider Valentin. Après s'être proposé, Valentin le présenta Amélia. Voilà, c'est Amélia, c'est elle qui m'a fait comprendre qu'il faut 15 kg sur chaque barre. Et j'ai quelque chose à te dire. Si on mettait le kilo de 9 et celui de 8 ensemble. T'as pas écouté toi? C'est trop lourd, ça fait recouler la barque parce que ça fait 17. Mais j'ai une idée. Et si on mettait celui de 9, de 1 et de 5, ça fait 15. Oui, ça marche. Ouais, c'est vrai. Et voilà, ça fait 15. Le 8, le 4 et le 3. Ça fait 15. Voilà, 8, 3. 4, ça fait 15. Voilà le chargement de la deuxième barque. Il nous reste les colis de 6, de 7 et de 2 kg.
Ça fait 15, ça marche. Oui, ça marche. Mais attention, on a oublié quelque chose. Le colis le plus lourd ne doit pas être avec le colis le plus léger. Tiens, on recommence tout maintenant. Et si on échangeait les colis de 5 et de 4 et ceux de 1 et de 2? Si, quand même. Ben, les bons, il marche. Il fait 15. C'est les bons. Ça y est. 8, 6, 1. 9, 2, 4. 7, 5, 3. Ça fait 3 fois 15. Pendant ce temps, Michael dirigeait sa barque vers Grand Bois pour livrer la famille Waro qui avait 6 enfants et 11 poussins. Sébastien partit en direction de Pierrefonds pour livrer un vieux copain de Valentin, Louis, qui adorait manger le poisson frais de Valentin. Bonbon banane, ça les bon. Bonbon banane, ça les bon. La banane, ça les bon. La pour manger sans modération. Valentin partit livrer à M. Payette à Pierre-Saint, un très vieux monsieur de 95 ans qui ne pouvait plus se déplacer en raison de son grand âge. M. Payette aimait le poisson frais. Il était content que Valentin lui rapporte du poisson bien frais. Est-ce la banane, ça est bon, la pour manger sans modération. Bonne oreille, y'a ça. Tu manges des cochons? C'est Amélia. Ah bonjour Amélia. Rentre. Voilà le filet que mon père t'a promis. Ah c'est ton père. Super, merci Amélia. Avec ça tu peux faire des pêches miraculeuses. Fantastique. Amélia, je dois te dire quelque chose. Oui. Veux-tu m'épouser? Ils se marièrent et ils firent une grande fête sur la plage parce que Valentin adorait la mer. Il invitait Sébastien et Michael avec qui il partageait tous les jours les poissons pêchés grâce au filet magique. Ils étaient riches maintenant. Thank you.